Serge Marie Nguesson, directeur Afrique centrale de la BAD et sa suite chez Denis Sassou Nguesso, le fait n'est pas nouveau car les deux hommes se rencontrent souvent pour parler de la coopération multilatérale entre le Congo et la Banque africaine de développement. À en croire la vice-présidente en charge de l'agriculture, Atsu Kotoda, ils ont échangé avec le chef de l'État sur un programme dans le domaine agricole qui contribuera au bien-être des populations. C'est un nouveau modèle d'affaires avec lequel nous comptons aussi travailler avec le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, sur des cultures telles que le manioc, le maïs, le riz et l'élevage. La Banque africaine de développement est intéressée à venir en appui au gouvernement de la République du Congo dans un programme qui est un agenda pour la transformation de l'agriculture au Congo en sigle ATTAC. Nous savons que ce programme va aider beaucoup les jeunes, les femmes, les producteurs et à tous les niveaux, il y aura besoin de renforcement des capacités. La Banque africaine de développement est une institution régionale multilatérale de financement ayant pour objectif de contribuer au développement économique durable et au progrès social des pays africains.